j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, cela me fera super plaisir. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau haul. Alors je dirais que c'est un haul solde, mais c'est une vente privée de chez Annabelle. Alors Annabelle qui est une entreprise cosmétique québécoise ou canadienne, c'est comme vous voulez. Donc tous les produits que j'ai achetés sont ici. J'ai acheté pour 106$, je pense. D'où j'ai eu ce beau bag que je vais ouvrir à la fin. Donc entre autres, ils vendaient le bag tout seul, donc la petite pochette tout seul, mais je ne l'ai pas acheté parce que je n'avais pas l'utilité. Par contre, quand vous achetez pour plus de 80$, ils vous donnent un cadeau gratuit. Donc ça, c'était mon cadeau gratuit que je vous montrerai vers la fin de la vidéo. Le premier produit que je vous présente, en fait, que j'ai acheté en double. Alors, c'est ces deux produits-là de la marque Marcel. Donc, c'est une valeur de 10. Il a une valeur de 20$, donc 19,95. Puis, moi, je l'ai payé 5$. Alors, c'est un petit kit qui contient un mascara fortifiant, allongeant plus recouvrement de cils et démaquillant douceur pour les yeux sensibles. Lui, c'est Very Berry, donc le mauve ici c'est Very Berry, et la petite couleur rouge rosée c'est Papaya Perfection. Papaya Perfection, Perfection c'est comme vous voulez, papaya perfection. Ensuite la petite rouge ici c'est Watermelon Wonder, et la petite rose ici c'est So Peachy. Ce sont des baumes à lèvres, si j'ai pas dit tantôt, donc ce sont des baumes à lèvres, mais je sais pas s'ils sont teintés. Alors voici les deux teintes que j'ai pris, donc la teinte fraise, framboise je pense, ouais, framboise, c'est twistable en fait, regarde, tout ce qu'il y a dedans. J'ai pris deux mascaras, donc ça s'appelle mascara extension plus, donc lightening plus curling mascara, donc mascara allongement plus recouvrement de cils, et de la marque Marcel. Ensuite j'ai pris celui-là, donc c'est la teinte noire, ça s'appelle Lash Longer, donc longueur. C'est presque la même chose, donc longueur astronomique pour encore une fois 3$. Puis un Biggie Bronzer avec un kabuki à l'intérieur. Ça m'a coûté 2$ je pense. Tandis que le prix initial est de 11,49$ quand même. C'est vraiment quelque chose. Vous le donner quand même. Donc c'est encore la même chose, c'est la teinte, donc c'est poudre pressée bronzant Sun Wave, la teinte Wet Wave, canicule en français. Donc voilà, encore une fois 2$ chacun. Alors j'ai pris un waterproofing, donc j'ai pris un imperméable lissant fixateur pour mascara. J'ai pris un autre mascara de chez Marcel, donc volume précision mascara, high definition volume haute définition, noir black, comme ceci, super beau packaging. J'ai pris un seul mascara, mais c'est pour les cils du bas. J'en ai pris qu'un, comme ça. Je trouvais ça cool. C'est un gel transparent à sourcils fortifiant et embellissant. Peut aussi être utilisé pour les cils. Voilà ce que je voulais dire. Donc, encore une fois, je ne l'ai pas ouvert parce que je ne sais pas si je vais le donner ou le garder. Ok, les palettes, j'en ai pris deux palettes, donc chaque palette m'a coûté 2$, donc c'était vraiment 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 cool. Donc j'en ai pris deux, donc c'est la Smoky Nude Annabelle. Voilà comment il se présente le produit. Donc on a un petit pinceau avec, on va dire qu'on ne l'utilise jamais par
contre, j'ai jamais vu une pizza avec une tête pareille. Donc, voilà, voilà. Ensuite, les couleurs sont juste très très beaux à mon sens. Donc, on va tester lui qui a un reflet, des reflets pailletés rose mauve. Voilà. Ensuite, le petit or. Ensuite, le petit orangé. Et ensuite, le petit rose gold. Que je trouve qui ressemble beaucoup à celui de. Voilà, donc j'ai testé ces quatre phares, donc j'ai testé lui, j'ai testé lui, j'ai testé lui et j'ai testé lui. Voilà, j'en ai pris deux autres palettes encore, toujours qui m'a coûté 2$, mais celle-ci c'est la collection Marimé, donc Marimé Collection et Shadow Palette, Eyeshadow Palette. Les couleurs je les trouve tellement jolies, c'est... Alors, Marimé qui est une chanteuse québécoise. Encore une fois, on retrouve le même pinceau que dans le premier, très doux, et lui, je ne sais pas à quoi ça va servir, je ne sais pas. Mais regardez-moi, c'est les couleurs d'automne. Attends, 2 secondes, il faut parler 2 secondes, j'ai pas 4 jeans. Franchement, c'est magnifique. Orange brûlé ici, rose, jaune, j'adore. J'ai pas trop d'ombre à paupières. Quatuor, ombre à paupières, quatuor. J'ai pris la teinte Terra Cooper, celle-là, c'est toutes des teintes, je dirais, il y a 4 teintes de marron à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris un autre très très joli vert, c'est la teinte Jungle Fever, toujours de chez Marcel. Et j'ai pris la teinte Mona Lisa. En fait, j'ai pris 2 vernis. C'est la même couleur. Les deux sont la même couleur. C'est City Night. C'est les deux seuls qui restaient. Donc, je me suis pris un pour moi. Et évidemment, un pour vous. Pour que vous puissiez tester les vernis de Liz Roti, qui est une entreprise canadienne, québécoise. Plein de rouge à lèvres. Premièrement, j'ai pris ce beau petit rouge à lèvres parce que je le trouvais super beau pour offrir à Noël. J'ai pris la teinte Merry Christmas et j'ai pris une autre teinte pour pouvoir le montrer. Donc, c'est la même chose. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que si je l'ouvre, j'ai peur que je ne pourrais pas le remettre à sa place. C'est la même chose. Donc, celui-là, c'est une autre teinte. C'est la teinte 920 rouge en folie que je vous montre à l'instant. Voilà comment ça se présente. C'est un... Il n'y a pas d'odeur. Non, il n'y a vraiment pas d'odeur. Ensuite, j'ai pris un autre comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans un de mes hauls. Je pensais que c'était des baumes à lèvres, pourtant ce sont des rouges à lèvres. J'en ai pris un pour vous aussi parce que je trouvais tellement beau la couleur. J'adore énormément la couleur. Donc je vous le souhaitais sur ma main. C'est hydratant aussi. J'adore. Honnêtement, j'adore. C'est lui ici. Donc avant de chez Annabelle, cette couleur là aussi que je trouve magnifique. Encore une fois, il n'y a pas d'odeur. C'est un super beau rouge. Ici. Vous aurez compris, j'adore le rouge. En fait, j'en avais pris 2. Ah, ça souffle. Ah, d'accord. Comme je vous le disais tantôt, celle-là, c'est la teinte Gingerbread. C'est une teinte métallique. Donc, Metallic Shade dans Gingerbread. Trois rouges à lèvres à vous montrer. Donc, j'ai celui-là. C'est un lac à lèvres. Donc, Luxe Color Wash. La numéro 95 Scarlett. Est juste magnifique. J'ai beaucoup de rouge. Mes rouges à lèvres se ressemblent énormément. Donc, c'est celle-là. Juste ici. La couleur, c'est rouge. Vitality, la 140 Cream Rusty Brown.
Non, ça a l'odeur des vieux rouges à lèvres qu'on avait dans le temps de ma mère. Juste ici. C'est un crayon rouge à lèvres rétractable. Présente comme ceci. Oh, je suis partie avec un morceau. Je déteste quand ça m'arrive. Et le nombre de produits qu'on a à l'intérieur, c'est ça. La couleur, c'est Vamp, donc Vampire ou Vampire, j'imagine. Donc, je vais nettoyer. Donc, ici, je vais swatcher genre là. Amis, c'est tout pour la vente de chez Annabelle et Marcel. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à samedi ou à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et prenez grand soin de vous. Bisous!